Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, alouette, alouette. Du coup, il ne veut plus travailler, il dit que c'est trop dangereux. Alouette, bon, allez, tu viens. Alouette, alouette, je te plumerai, alouette, gentille alouette. Pour rien, comme d'habitude, hein? Non, non, mon commandant, regardez, c'est sûrement l'orage qui nous a amené cette chose. Miro, Miro, prévenez le maire de la commune qui vient sur le champ, aussi caché même de la rue du Pont, et prévenez le clos de Bussin. Est-ce qu'il y a la bonne, ne discutez pas, Miro, fais ce qu'on vous dit, mon Dieu. Oh, ben ça alors. Un ange en vrai. Je crois qu'on pourrait se faire des thunes avec ce piaf. Monsieur le maire, ça devait bien nous arriver un jour une chose pareille. Depuis le temps qu'il se passait rien. Je dois en aviser l'évêque de Nevers, Monseigneur Streff. On dirait bien un ange. Mais c'est pas possible, ça ne s'est jamais vu. En tant qu'élu communiste et président du comité d'action laïque, j'y crois pas non plus. Hein. Ce serait plutôt une sorte d'extraterrestre. Adjudant, tâchez de le faire déguerpir. J'ai pas envie de voir appliquer les quarts de pèlerin comme à Nevers. Hein. Que les mères de famille rentrent avec leurs enfants, parce que ça risque de devenir dangereux. Chapier, Potra, faites disperser. L'ange. Dites voir, monsieur le pompier, je voudrais savoir qui c'est qui va me le payer, mon carreau, parce que j'aurais été dans la cuisine, il m'aurait crevé un œil. Et la vieille qui a pu nous chercher une pendule de ton carreau, non?
Il est plus là. Il a dû s'envoler. Oh, merde. Vous allez bien voir un petit canon pour vous remettre de vos émotions. Monique, tu pourrais nous sortir de verre, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu nous as encore ramené là? On ne peut pas dire qu'il soit causant. Allez, à l'Étienne. Tu trouves pas qu'il ressemble à ton cousin Nanar? Ouais, si on veut. Ah ben dis donc, t'en dévoiles pas beaucoup. Moi ça a été la même chose quand je suis tombé de l'échafaudage. Papa, il dort avec nous? Mais Vincent, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut pas le garder ici, avec les enfants. Je pourrais le mettre à la cabane pour cette nuit. Mais c'est que c'est pas bien large. Il pourrait se blesser avec les outils. Il n'a pas l'air dégourdi. Vincent, qui ça peut être? Désolé, j'ai tout essayé, même les espèces tropicales. Alors? Ouais. Monseigneur Streff ne veut rien entendre. Il m'a même dit d'arrêter le petit vin blanc le matin. Jacquier, accompagnez Monsieur Pince. Mon père, quand vous étiez au petit séminaire, on a bien dû vous parler au sujet de la question des anges. Enfin, oui, j'ai même lu un excellent ouvrage là-dessus. Le fameux traité sur le langage et l'anatomie comparée des anges. L'auteur prétendait que ces esprits célestes s'expriment par la lumière et utilisent les couleurs comme des sons. Allez, entrez, les enfants, entrez! Le cirque Orlandini est heureux de vous présenter en exclusivité et unique au monde, l'ange déchu. Allez, entrez les enfants, entrez. C'est 5 francs l'entrée. 5 francs, c'est pas cher. Ne t'inquiète pas, ce soir je viens de délivrer. Et c'est encore une fois, c'est encore un effort, bon Dieu. Faut que tu partes. Pillons,